M'entendez-vous bien? Laissez-moi quelques instants vous placer cet appareil. Et maintenant, m'entendez-vous mieux? Cool FM Radio, la radio qui griche. Plus de 200 000 tonnes de déchets provenant du Grand Lac Saint-Jean sont enfouis sous les 32 hectares du site prévu à cette fin dans la municipalité d'Héberville Station, tout près d'Héberville Village, et non loin d'Héberville tout court. Héberville Station est un village dynamique avec un commerce prospère où il fait bon vivre. Les familles y sont nombreuses, son centre-ville regorge d'activités pour tous. La ville bénéficie de nombreux espaces verts pour se détendre. Quoi de mieux que de dévorer un bon roman policier avec une odeur de cadavre pour ajouter au réalisme de votre lecture. À seulement quelques kilomètres d'Héberville tout court, les nombreuses installations sportives permettent d'accueillir des joueurs de partout et de tous les niveaux, des catégories moustiques à mouches à marde. La politique, c'est comme les déchets. Quelquefois, vaut mieux enfouir les problèmes et aller de l'avant. En banlieue d'Héberville Village, les croyances et coutumes de la population sont présentes et bien ancrées. Tout comme dans les grands centres, Héberville a elle aussi ses minorités visibles et ces dernières sont souvent victimes d'intimidation. Même sur des tonnes de déchets domestiques, l'essence n'est pas moins chère. Les gens d'ici profitent rapidement de toutes les installations qui s'offrent à eux. Comme dit le vieil adage, vivez chaque jour comme si c'était votre dernier. Malgré l'implantation du nouveau site d'enfouissement du lac Saint-Jean, les habitants d'Héberville Station, tout près d'Héberville Village et non loin d'Héberville tout court, sont toujours en train de mieux vivre. Après les spectacles Descente et Partouze, Québec Easing vous présente Western, remasterisé. Laissez-vous emporter par des succès interrégionaux. Peterson, Peterson, tu ne feras pas peur à personne. Peterson, Peterson, tu serais mort avant que la cloche sonne. La compilation Western, c'est aussi de la nostalgie. Dans la ville, il y a un théâtre. Dans le théâtre, il y a l'opéra. Dans l'opéra, il y a un Robert. Robert est dans la marche, Marie-Don, Marie-Dé. Robert est dans la marche, Marie-Don, Don-Dé. Faites une ride à cheval en fredonnant ce grand succès de Will et Lamotte, remasterisé. Mine après mine, je m'enfuis. Mine après mine, j'exproprie. Jour après jour, je noircis. Tu ne peux pas creuser ici. Et oui, même Sonia Côté de Logement Traite pourra s'éclater. Si j'avais un bloc, ça changerait ma vie. J'arrêterais de coucher dehors à la mairie.
La compilation western, c'est aussi de la nostalgie remasterisée. Quand Robert Val dit au revoir à la prison et que Chicoutimi dit merci. Détendez-vous sur ce succès de René Martel. J'ai une Bible qui ne veut pas ouvrir et c'est ma raison d'avoir voté. Depuis qu'un gros trou sur la Saint-Dôme, il y a un beau parking pour les autos. Fermez vos yeux et recueillez-vous en écoutant. Je m'appelle Jean, Jean Bataille. Je prie tellement que ma femme a peur. Mes conseillers ensorcelés sous ma soutane, je les ai cachés. La compilation western remasterisée. En vente presque partout. Wallers, Zelmart, Sona, Mona, Lina, Canadian Patayol, Support Expert, Jean Coutusti, Femme à prix, Costco Coca-Cola, Saint-Hubert Expert, Resto Supolline, Dépanneux Maestro et peut-être même ailleurs. We'll be right back.
Florida. Hey, t'as pogné qui, toi, dans l'échange de cadeaux? Change de cadeaux? J'ai pogné Charline au 134 de la partie asphaltée. Charline, la reine des six mois? T'as pas su ça? Qu'est-ce? Comment qu'est-ce? Elle était en train d'aider son chum à reculer le fifouel, puis ça a été fatal. Ouais, puis là? Ben, puis là, c'est la première mort de la Florida. Elle va être exposée au secrétariat. Puis tu viens de te sauver un cadeau. Correct, hein? Ouais. Passe-moi une couille, là. C'est bon. Passe-moi une couille. La Florida! Ta femme est pas là? Pas de danger, Bronze. Elle est partie à 4h du matin pour réserver sa place au jeu d'eau. Asti qu'elle marche, ta femme. Ouais, mon homme. Y a pas d'heure pour être heureux. Pas d'heure. C'est vrai, ça. La Florida! C'est quoi tous ces manifestants-là? Ah, ça doit être encore Sonia Côté de logement trade, là. Hey, avez-vous fait des logements sociaux dans Phase 4? On peut rien savoir de tout ce monde fait, Colette! Avoir un bac. Un bac en plein air. Un hymen en aluminium devant un musée. Rayonner sur la scène internationale, évidemment. Rouler sur ta boîte à 2 ans 50. Créer sa propre entreprise. Coude. Mais ça a un goût de chiotte, ce truc. Donc, dans ce projet d'agrandissement de la mine, vous pouvez ici constater que l'EPS 2011 et l'EPS 2012 se situent entre 1,5 et 2. Et si nous allons ici, nous voyons très bien cette courbe de la croissance de prospérité qui est des plus intéressantes. Voici les nouveaux résultats des dernières études de mine. Bonjour, patron. Bonjour, Samantha. Votre présence n'était pas requise à cette rencontre. J'adore l'ambiance des meetings. Vous savez bien. Alors, si on se fie à ces données, le potentiel de niobium est énorme. Et ce, jusqu'à 1 km sous la surface de Saint-Honoré. Et c'est où ça, Saint-Honoré? On parle de 1,4 milliard de dollars de profit avec de tels résultats, monsieur. En effet, Michael, cette opportunité s'offre à nous. Et nous devons la saisir. Et qu'en pensez-vous, Samantha? Ce sont là de très bons résultats, monsieur. Mais quand pouvons-nous commencer à exploiter? Attendez, Stuart. Il y a un problème que nous devons absolument régler. Et lequel est? Les Saint-Honoriens. Qui? Les habitants. Les habitants? Extropions-les! Pardon? Non. Nous ne pouvons nous permettre ces dépenses. Est-ce pas pire, on l'est? C'est impossible. La population s'objecte déjà. Depuis quand écoutons-nous la population? J'ai déjà une solution. Exproprions-les! Ferme-la, Sharon. Ouais, ferme-la, Sharon. Ferme-la. Comme j'essayais de vous le dire, j'ai déjà mis en place un projet pilote dans la ville. Au moment même où on se parle, les ouvriers s'apprêtent à rentrer sur leur quart de travail. Bon beau chiffre de marque, comment? Bon, ça vous donne une soirée. Hey boy, bon match. Bon match. Bon chiffre. Merci. Hey.
La Guadeloupe est une île choyée par la nature. Oh, c'est beau, hein? Prochain voyage, ma chérie. Oh oui, c'est la fois. Ouais, ben on fait le vase, on continue de même. Chaud. Hey, y a une game à soir, Massa game. Oh non, Massa game. Oupon s'empare de la rondelle et la remet vers sa droite. À point de Souban. Un capotin en sable, 3000 canards qui te tombent dessus, t'es avec une petite coquette dans ton torse. Ça va être smart de changer de son sac un peu. Je sais même pas si tu vas avoir la même couleur. Voilà, mais le bord de même, c'est un yeux. Oui. C'est mieux que les marquis, tu penses? Ah, mieux que les marquis. Ah, en deux fusillades, ça devrait se passer de même. On va passer à chose, ça va. Salut, Luc. Salut, man. Je vais te conter la belle histoire, la croûte de fromage puante dans le fond d'un frigidaire. 6h moins 4, 3h moins 20. Pas trop sûr, ils viennent de finir le chiffre. Part pour prendre l'ascenseur montant en haut de la mine. Plus de courant. Appelle son boss, répond pas au téléphone. Appelle son chum, répond pas au téléphone. Là, il regarde son collègue de travail puis il dit... Lou, ouais? Le break est fini, là. Bah, voyons donc, ah, pas déjà. Fait. Ah oui. Ah, c'est correct. Tiens, petit cadeau. Bonne nuit. J'ai tout donné. Mon cœur, ma passion. Cause qu'ils m'ont laissé tomber. En tout cas, ils vont voir que je suis pas du maquillon. Il se croit tout permis. Aucune règle, aucune loi, rien ne les arrête. La justice croyait avoir nettoyé les rues. Cathy! 2011, un nouveau fléau est apparu. Ils envahissent nos rues. Ils sont partout. Je vais remplir ça. Avec la blonde ou la rousse? De l'eau. Et il vient. Ils perturbent l'ordre public. Chic, maman, à bout. Préparez-vous à affronter. Ah! Le peloton. Sur toutes les routes. L'été-sti.
T'es pas à cause des canards aujourd'hui? C'est moi Morin, c'est toi Patrie, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Morin, c'est moi Patrie, et nous sommes de beaux amis. Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours orange, toujours uni. On fait les putes, mais qu'est-ce qu'on rit, on est Morin et Patrie. On est élu par surprise, Jack Layton a passé. On doit apprendre à devenir député. On est élu par surprise, Layton est décédé. Comment notre manque de charisme va faire pour nous remplacer? C'est moi Morin, c'est toi Patrie, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Morin, c'est moi Patrie, et nous sommes de beaux amis. La Florida! Hey! T'en vas en bateau? Eh non, pas de lac. Passe 4. Ouais? T'en vas-tu jouer au gars? Eh non, pas de terrain. Passe 3. La Florida! Asti que c'est laid, Saint-Amboise, hein? Ben, c'est beau, là. Ben, ça dépend des goûts, hein? La Florida! Mario, c'est acheté un carte? Ça? Hein? Ça vous va? Merci beaucoup. Gardez vont nous avoir! J'ai jamais vu ce jonquille-là venir! C'est quand ça te dit! J'ai froid! J'ai soif! J'ai soif! Du vrai de champagne? Oh oui! Ma poche. Non, pas celle-là. Le pantalon. Oui. C'est mon frère qui me l'a donné. Ah. J'ai jamais eu le courage de l'écouter. Mais toi, t'es courageux.
toi, t'es courageux. Je vais dire à tout le monde que t'as jamais créé les fleurs! Je suis désolé, mon chum. J'ai jamais eu le courage. Excuse-moi, là. On est débordé. Faut que j'aille me taper un autre 16 heures. Ça n'a plus de bon sens. J'étais cœurée. Là. Il me faut des vacances. Les urgences sont pleines. J'en ai plein le cul. Je suis vraiment tannée. Snod. Excusez-nous, on est débordé. Gagner 110 000 piastres par année avec un secondaire 3. Faire du skidou dans la rue. Jonquière! Enfin, le bip. Skidou. Quatre roues. Chalet. Avoir le béguin pour Bégin. Ouais, Mike, c'est Bass. Écoute, j'ai une bonne idée pour faire une pause de cash ce soir. Salut, gars. C'est bien long. Je sais bien, Asti, mais je trouvais pas la place. J'ai jamais ici, moi. Pas rapport, man. Moi, je vais jamais en paix, puis je sais c'est où quand même. C'est toi qui a pas rapport, Asti. Qu'est-ce que tu fais bien de même? J'ai fait rien à mettre, Chris. Je faisais une bassine noire. De toute façon, il annonce de la pluie. Asti, c'est... Il mouillera pas, là. Oh, il va mouiller, ça. T'as pas pensé de t'habiller en noir? Non, Chris. Asti, que c'est hot ta face, là, gros. Asti, prends une photo de moi, man. T'es trop hot. Attends, je vais te faire. Va crisser ça sur mon Facebook, man. Ça va être malade. C'est épouvantable. Qu'est-ce que tu fais, tabarnak? Ça va être débile. Prends une photo, puis on y va, Asti. On va voler du fil de cuivre, man. On va pas voler un dépanneur. Qu'est-ce que ça fait, Asti? On fait un hot, mais on en fait pas un. Oui, je veux pas y croire. Ouais, Chris, ah ouais, prends partout, on y va. Asti, t'es hot, man. Je t'en prends en photo, pas le choix. Tabarnak. Go, on y va. Allez, go. Qu'est-ce que t'as? Tiens, le go. Prends le pince. C'est quoi, c'est ce petit pince-là? C'est tout ce qu'il y avait, Chris. C'est quel fil que je coupe? L'autre, là. Ouais, c'est ça. C'est le plus gros? Ouais, ouais, c'est ça. OK. Allez. Oh! Marc! Ah! Toute l'année, nous avons travaillé en... TVA, vous êtes toujours nos amours de travailleurs. Pour la machine numéro 6 de l'usine Kinogami. Le prix du cuivre est plus élevé que jamais. Si vous voulez obtenir de l'argent pour votre cuivre, oh oui, Copper for Dollar est là pour vous aider. Nous vous le disons, c'est rapide, anonyme et 100% légal. Vous recevrez plus d'argent que dans tout autre cours à scrap.
c'est garanti. Moi, j'ai mes spots. Puis je vous dirai pas c'est où, c'est certain. Appelez ou allez en ligne maintenant à www.copperfordollar.cash. Nous acceptons le cuivre de toutes sortes. Vous pouvez envoyer vos tuyaux, instruments de musique comme les orgues ou les cloches. J'ai même plus besoin de travailler. C'est si facile de trouver du cuivre. Les fils électriques de lampadaires ou de centrales électriques sont très payants. Mais soyez prudents. Opérez de nuit, portez des vêtements foncés, peut-être même un masque, et soyez très discret. Avant, je vendais des cigarettes. Aujourd'hui, je chasse le cuivre. Copper for Dollar peut vous aider à vous sortir du trou, peu importe le trou. N'attendez pas ou appelez dès maintenant et obtenez de l'argent facilement. Ouais, Mike, c'est Bass. Écoute, j'ai une petite bonne idée pour faire une passe de cash à soir. Viens me rejoindre à Hydro-Jonquière, sous le boulevard du Royaume. Bon, rappelle-moi, en tout cas. Salut. La Florida! Ah, tu vois, ouais, non, mais... Bien plus long. Oui. Ah ouais. J'ai hâte de voir. Ouais. Puis. Une minute. Bout de batte. 12 pieds, 4 pouces, mon homme. Hey, t'es un fourré de 4 pouces. C'était carré, ça. Si tu l'as passé une vite. Ah, c'est bon. Hey, en parlant de vite, savais-tu que Mario avait pogné une étiquette de vitesse avec son kart? Ah, pas vrai. Oui. Comment ça y a coûté? Ben, rien pas tout. C'était un 12 mois, Mario. Ah, ben oui. Un 12, hein? Ben oui. Paye pas, les autres. La Florida! Tu t'en vas? M'en vas bruncher au secrétariat. Ah. J'ai même pas déjeuné. T'as juste à venir avec moi, mais là, je t'avertis, là. Ils te laisseront jamais rentrer de l'in. Regarde. T'as petit nom? Regarde. Ben ça. Ouais? La Florida! Hey, Altera Peterson, lui, c'est où? Peter qui? Peterson, terrain. Ah! Peterson, le fier à brosse d'Orlando. Ah, Peterson, la brute. Non, 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 il est pas sur d'Orlando, là. Il est sous palmier. Mais non. Son beau-frère, il est sous palmier. Puis lui, il est tout le temps chez eux. Non, non, Peterson, il habite à côté de chez Luc Lavoie, là, sous Tampa, coin Miami. Non, Miami, là, un homme, là, Miami, ça a phase 1. C'est la phase 1. Mais non, non, la phase 1, elle arrête après Daytona. Ah non, il s'est acheté un terrain en même temps que Jacques Fortin, là. Il s'est trouvé un terrain pas cher sur Panama. Ah, c'est ça, non. Panama. 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 De retour à Tout le monde en parlait, Saint-Jean-Vianney. 40 ans plus tard, Marco, Guy et Jean poursuivent leur témoignage. Mes plus beaux souvenirs de Saint-Jean-Vianney, c'est quand mon père il m'a amené pour la première fois à la piste d'avion. Quand j'ai vu la piste d'avion, j'étais émerveillé parce qu'elle était grande, puis elle était toute asphaltée. Puis je me rappelle, quand tu marchais du pied sur dessus, ça brûlait les pieds parce que c'était chaud. Mes souvenirs à moi, de Saint-Jean-Vianney, il y en a tellement. Je me souviens d'un dimanche, il faisait beau. Il faisait chaud. Chaud en salle. Là. Le trou de boîte était sec. Les pick-up étaient bien propres. Ici, c'est un vrai paradis. Il y a des amis partout. La forêt est dense. Ça va bien. Ça sent bon. Ça goûte bon. Mon truc à moi, il passait partout.
C'est top. J'ai peur de rien, moi. Mes chums. Tant que mon chum est là, j'ai un grand ouais. Capable de sortir n'importe qui. Mais ce que j'aime dans l'aviation miniature, c'est un peu la mécanique. C'est de la petite mécanique, mais c'est de la mécanique pareille. Puis il y a aussi qu'on est comme une famille. Tout le monde arrive avec son avion, puis ils font de l'avion. C'est ici que j'ai rencontré Raymond. Il était tellement beau, intègre, bronzé, bien huilé, avec un petit speedo bleu, comme c'était hier. Elle me souvient un dimanche. Le gros Tony qui essayait de monter. Ah, mais t'es capable. Hey, moi, il est monté dans la face. Ah, le même. Et puis, c'est allé, m'en veut. Bon, ce qui est dans le bois reste dans le bois. Ce qui est dans le gars reste dans le gars. Moi, mon avion préféré, c'est le Spitfire. C'est un avion de guerre pour faire la guerre. Puis, il est bleu. Je l'ai peinturé à la main. Mon ami Paul, il m'avait dit de le peinturer à la main. Puis quand je l'ai peinturé, je me suis peinturé à la main. Oui, on a échangé toutes sortes de choses, mais c'est bien les revoir aussi. Parce que mon Raymond, je le prête pas comme ça. C'est quoi ces maisons-là? J'ai jamais vu ça, mais même quand je passe tous les dimanches, il n'y en a pas. Pas peut-être une fois, là, j'en ai vu une, mais... Ben non, j'ai jamais vu de ces maisons-là, moi. C'est où, ça? C'est Saint-Charles-de-Bourget? Hé! Hey, gros trou. C'est le fun de venir le dimanche, mais je vivrai pas ici. Alors, c'est ce qui complète notre édition de Tout le monde en parlait. Saint-Jean-Vianney, 40 ans déjà. La semaine prochaine, notre sujet, le fantôme du parc. Merci, mon nom est Guy Gendron. À la semaine prochaine. Là, vous trois, là, vous me ferez pas croire que vous savez pas ce qui s'est passé en 71 à Saint-Jean-Vianney. T'as radio au camp, dans l'air, une gang de zouf! Le déluge en 96, j'étais là, moi. Oui, bonjour, Monseigneur Rivet à l'appareil. Un appel, vous dites? Oui, je vois. Cela est juste et bon. Amen. Oui, allô? Comment ça, aimer le cul? Un instant, ma sœur. Je vous écoute. Sainte-Marie-Madeleine, ça va nous coûter une fortune. Vous savez bien que nos coffres sont aussi vides que nos églises. Je vais voir ce que je peux faire. Allez-y, ma sœur. Ça ne se passera pas comme ça. Thank you.
Pronto? Ah, buongiorno, Monsignor Tocourt. Si. A mouvement laïque au Saguenay? Oh. Envoyez-moi la liste des membres tout de suite sur mon site, s'il vous plaît. Si. Grazie mille. Non, Valenti! Stavo controllando la mia tesoratura subacquea. Ma è importante evento, essere a sa vostra attenzione. Ah. Ah. Sito web su Filmsoni Grandi. Dobbiamo fare qualcosa per me. Devo comunicare sua santità il Papa. Pronto? Ah, ciao, Eminenza. Ma dove è il Sagne? Vedo con codore? No. E ci chiedi capra miscredidente. Sì. No. Ha fatto bene a partirmi. Questo uomo ha bisogno del nostro aiuto prima di essere canonizzato. Sì. Dammi il numero e mi prenderò cura di tutto. Grazie. Bienvenue à la ville de Saguenay. Pour faire un don pour le procès de la prière, veuillez composer le montant désiré à l'aide des touches du clavier. Soyez généreux. Alléluia, 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 alléluia. Monsieur Dakota, Excuse-moi. Ok.
Laisse-moi te sucer une dernière fois. Ça me dérangerait pas de mettre un peu de sang sur le coin de la gueule, pis... Dans... T'aimes ça quand c'est rouge? J'ai pas obligé de mettre la tête. J'aime ça aussi. Je me sens bien. Il est dedans, tabarnak, mon gars. Mais on est pas vraiment... Pas on joue, là. Genre, je partirai pas, on joue. Là, il est mort! Il est mort! Non! Qu'est-ce que vous en pensez si je fais ça même? Ta femme est pas là? Non, mais ça, je propose. C'est bon, hein. Essaye la main. Ce qu'il fait, Action, émotion. C'est bon? Avoir le béguin pour vagin. J'ai dit vagin. Ça sonnait trop vagin. C'est une blague. Tu le sens? Est-ce que tu m'entends, espèce de petite salope? Ma poche, ma poche, ma poche, ma poche. Tu me la poche. Ta poche, ma poche. Oh, t'es clé. Il aime ça, Riga. Mettez-vous proche d'abord, Riga. Quoi? C'est fait? C'est ton move de barre. Il faut maintenant 18 ans. Calme-toi, sinon je suis obligé de te laisser ici. J'ai soif. Tiens, prends ça. Je vois du gazon partout. Ouais, je vois des fleurs partout. C'est bon. J'ai vu un oiseau du paradis. Non! Il m'a dit... Prends une gorgée de ce liquide. Tu dirais que j'en parle tabarnak! Hey! T'es mignonne, toi, derrière ton clavier. T'aurais envie que je te donne un petit coup de métallo? Les gars, il y a du son. Ouais. Puis je t'embête, N! Je retourne dans ma forêt! Encore lui, tabarnak. T'as-tu fini de me filmer, toi, Chris?